Alors nous sommes sur un gros stand du salon de la rénovation de la construction à Bruxelles, Batibo. Nous sommes sur un gros stand 3 marques représentées ici par Joël. Merci Joël de nous avoir accueillis. Et bienvenue. Nous sommes chez ATAG, première grande marque, hein, d'accord. Bien sûr. Pelgrim. Oui. Et la nouvelle venue, enfin la nouvelle dans le giron, Etna. Oui. Oui. Donc on va expliquer un peu cela. Tout d'abord ATAG, on est devant l'affiche qui présente le stand. Explique-nous un peu le concept rapidement et puis on va aller voir les 3 grosses nouveautés de ta marque. Alors ATAG, c'est une marque qui existe, hein, et Dieu sait si nous célébrons ceci qui existe depuis maintenant 70 ans. Hollandaise, hein, comme Hollandaise, donc de racine, et nous sommes situés à Deuven. Hein. Donc je le répète encore une fois, depuis 70 ans. Et nous travaillons uniquement, et c'est notre politique de distribution, Dieu sait, on ne peut plus saine qu'avec des indépendants spécialisés, des architectes et des menuisiers. Donc, des gens qui peuvent vraiment... expliquer le concept en fait à ATAG. Entre autres, puisqu'on est ici devant cet affichage où en effet on va essayer au mieux, suivant nos différents concepts, de déterminer par rapport à notre interlocuteur leur ADN et d'essayer d'au mieux en répondre à leurs besoins, à leurs critères et finalement à se rendre plaisir. C'est vrai que quand on voit quand même que vous avez mis quand même l'accent sur le sous-vide, oui. La cuisine silencieuse avec des lave-vaisselles et des hottes silencieuses et ensuite la cuisine unique parce qu'on sait faire plus ou moins ce qu'on veut. Donc on va aller voir les fours graphites, parce que c'est une belle nouveauté. Vous savez que c'est une tendance, mais c'est beau. Donc on va aller voir ça tout de suite. Tout à fait. En avant. Explique-moi un peu donc la gamme Matrix, si je ne me trompe pas. Donc c'est une collection chez ATAG, tout en noir. C'est un produit vraiment exclusif, un produit très unique, beau, hein. Seulement distribué donc par ATAG. Hein, j'oserais dire dans notre groupe, hein, vous avez une finition noir mat qui se marie avec tout coloris différent, qui se marie certainement avec une grosse tendance retour au bois aussi, avec des volumes intérieurs des plus grands sur le marché. Un format extérieur. On voit même que la profondeur est grande ici. Bien sûr. On est sur une grande platine. Tout à fait. Hein, platine en largeur, c'est le format le plus important en volume. On a 46 cm pour un 51 litres intérieur à 4 niveaux de cuisson. C'est vraiment le seul et unique produit sur le marché à avoir de telles disponibilités. Tout à fait. Tiroir chauffe-plat. Donc ça, c'est la nouvelle gamme noire, graphite. On a toujours les gammes inox qu'on avait vues dans la vidéo précédente. On peut quand même refaire un petit focus rapide en inox anti-tache, hein, c'est clair, avec des portes soft close, avec des écrans TFT couleur 6.0 tantôt, hein, 2.9 également. La possibilité d'avoir des alignements qu'il en soit en 45 ou mixés avec du 45 et du 60. On peut quand même remettre que la machine à café est alignée. Ça n'a pas été le cas dans toutes les marques, hein, quand même. Hein. Donc, tout le monde n'alignait pas ses machines à café. Donc, il faut quand même remettre un point important pour ATAG sur ce point-là. ATAG attache une énorme importance, hein, j'oserais dire, au look et au design apporté. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu plusieurs prix Red Dot Design Awards. Hein, ceci en est très important et on en est très, très fiers. J'explique aussi un petit point. Pourquoi est-ce que je parle de la machine à café? En fait, il y a très peu de fabricants de machines à café. Il faut dire les choses. Vous êtes fabricant de ce que vous faites au niveau cuisson, mais les machines à café, c'est un autre fabricant comme beaucoup d'autres marques, hein, on peut le dire ouvertement. Et c'est vrai qu'on avait toujours du mal à aligner les fameux bandeaux de commande. Et dans une cuisine, on avait cette petite différence qui n'était pas grave, mais donc maintenant c'est terminé, on a vraiment ce parfait alignement là. Tout à fait. On va montrer la vaisselle, parce que vous savez que la vaisselle c'est toujours un peu le parent pauvre. Or il est particulier. Tout à fait, c'est vraiment un produit également unique. Voilà. Alors on peut expliquer que vous avez le lave-vaisselle où on sait mettre le plus. 18 Alors, couverts, si j'ai bien tout compris. C'est le seul lave-vaisselle unique qui puisse contenir jusqu'à 18 couverts, hein, à savoir qu'est-ce que constitue un couvert. Vous avez l'assiette d'entrée, vous aviez l'assiette du plat consistant, les couverts accompagnés, le nombre de verres accompagnés. Voilà, donc 18 c'est pochettes, le seul, 18 couteaux, 18 cuillères. Voilà. Tout à fait. Particularité, on est sur un XXL. On est sur un XXL. Donc, ça ne rentre pas dans toutes les cuisines qui ont, qui ont 81 sous le plan de travail. Voilà. Exact. Donc, c'est aussi le seul et unique lave-vaisselle qui est full inox. Ça veut dire que aussi bien la circulation d'eau, hein, pour dire d'avoir une qualité de lavage, se fait dans des tubes full inox. Les cerceaux d'aspersion se font également en full inox. Vous avez deux jets, type comme deux Karcher, pour dire de nettoyer convenablement les casseroles. Vous avez un panier coulissant. Ça fait partie des couverts. Donc,
Alors, si, imaginons, je veux mettre des grandes casseroles. Si je veux mettre donc des grandes casseroles, ceci ne pose aucun problème parce que je pourrais retirer confortablement mon plateau intermédiaire supplémentaire. On sait en fait le faire sortir. On sait totalement. Le faire sortir sans contrainte. Ce plateau vous apporte évidemment 3 couverts supplémentaires. Oui, mais si on doit changer la façon dont on met la vaisselle, tac, on l'enlève ici, on le sort et on met sa casserole. Sans contrainte. Et on peut même encore imaginer aller beaucoup plus loin. On va la refermer pour éviter... Voilà. On peut encore l'imaginer aller beaucoup plus loin, c'est en retirant ce panier-ci, et pourquoi pas, après utilisation donc de notre four unique en noir graphite au niveau des plateaux après cuisson, de pouvoir intercaler mes plateaux à une hauteur de 39 cm sans contrainte dans le lave-vaisselle. Donc ici, full box. 1, 2, 3... Et oui Thomas, n'oublie pas non plus, voilà, le petit porte-couvert supplémentaire qui me permet de prétendre d'avoir 18 couverts au niveau donc de ce lave-vaisselle. Vous avez éclairage LED pour dire d'avoir une visibilité bien claire. Vous pouvez également monter et descendre parce que chez moi, c'est aussi à la maison. Je bois du vin blanc et du vin rouge et de temps en temps un petit peu de champagne aussi. Les guidages télescopiques sont full inox. Coulissant sur roulement à billes et non sur des roulettes en PVC mais comme la plupart des lave-vaisselle. On le sent, On sent qu'il y a quand même une coulisse assez aisée. Tout à fait. Okay. Le seul lave-vaisselle qui contient également un turbo-séchage qui me permet d'éviter d'avoir tantôt encore des traces dans mon verre. Je ne fais pas un lavage pour après avoir mon essuie sur le côté pour réessuyer toute cette lave-vaisselle à installer donc dans les armoires. Ce sont vraiment des produits uniques. Alors, passons maintenant à la nouveauté, mais celle qui est présente un peu chez tout le monde, on va pas se le cacher, mais qui est également présente chez toi, la hotte intégrée dans la TAC. Tout à fait. Allons-y, c'est parti. Voilà Thomas, encore une fois, un produit unique chez ATAC. Nous sommes les seuls, et pour commencer, avec cette fameuse TAC à induction avec la hotte intégrée. Nous avons une TAC finition noir mat. Oui. Encore une fois, chez ATAC, nous sommes les seuls à distribuer avec un support noir mat. Ça permet à très long terme, par confort d'utilisation, en faisant glisser les casseroles sur la TAC d'induction, de voir beaucoup moins les griffes, donc à long terme, par rapport à une finition traditionnelle. Ce n'est pas anti-griffe. Ce n'est pas anti-griffe, voilà, donc il faut quand même préciser à très long terme, nous verrons beaucoup moins les griffes à son utilisation. Ce sera beaucoup plus confortable également au niveau donc de l'entretien. Oui. Pas de brillance, on va voir beaucoup plus facile au niveau donc de l'entretien en ayant ceci en noir mat. On n'a pas de réverbération plus. La hotte rentre totalement à l'intérieur ou reste comme ceci? La hotte rentre totalement et elle vient à fleur, oui. Okay, et elle ne monte que de 5 cm avec toute son efficacité, même si nous avons des casseroles plus hautes tantôt à faire bouillir de l'eau, sans aucune contrainte. C'est très propre, quand c'est fini, c'est très discret. Tout à fait. Et on a sa petite sœur ou grande sœur. On a en finition noir mat ou des gens qui préfèrent encore avoir une finition donc traditionnelle. On est sur 20 cm de profondeur ici pour l'attaque. Elle fonctionne en recyclage. Elle fonctionne en recyclage, évacuation extérieure. Et ça, c'est vraiment un modèle, j'oserais dire, également unique. C'est que le raccord, j'oserais dire, donc de ma hotte jusqu'au moteur me permet aisément d'avoir des tiroirs jusqu'à une profondeur, Thomas, de 50. Ok. Pas le premier. Le premier également. Moins utilisé. Évidemment. Moins utilisé, mais je n'ai pas de mettre quelque chose. Tout à fait. Ça met quelque chose dedans. Tout à fait. Alors j'ai un montage aussi bien en mural, ça veut dire m'attaque contre un mur, ou aussi bien en montage îlot, n'ayant aucune contrainte d'avoir une profondeur aisée pour dire de pouvoir mettre tantôt encore des tiroirs couverts sous l'attaque ou des tiroirs pour les casseroles. On est sur un filtre ici, 10 cm hauteur de le moteur ou 15 cm? On est à peu près à 11.2. Donc on conseille des socles de 15 à ce moment-là? On conseille, oui, des socles jusqu'à 15 sans souci. Oui, tout à fait. Eh bien, on continue le tour en allant chez Pelgrim. Allons-y. On passe par... Tu connais mieux, hein? Ouais. Alors, Pelgrim. Alors, un modèle que nous appelons chez nous dans notre gamme, le modèle Hood in Hop, c'est un modèle qui a une finition différente par rapport au produit ATAC, où on vient avec un système donc, d'aspiration de manière verticale, qui a son exclusivité de pouvoir, quand nous cuisinons seulement sur l'un des côtés, à utiliser qu'un côté au niveau donc, de l'aspiration.
D'accord, ok, ok. Alors, c'est peut-être la troisième fois qu'on va parler de prix aujourd'hui, sur toute l'après-midi, mais j'aimerais quand même faire un petit focus au niveau prix parce qu'on n'est pas très cher. Non, pas du tout. Voilà, hein, parce qu'on n'en parle pas souvent. D'accord. C'est pas le but quand même de faire ça, mais il faut quand même des fois donner un exemple. Alors, on a parlé d'Ata qui est une marque premium. Mm-hmm. Hein. Et ici, on est sur Pelgrim qui est également une marque A, mais on est sur un produit à 2399, prix de vente public indicatif. Voilà, mais pour un produit haute étac intégrée. Pour un produit unique, en effet, hein, c'est un très bon positionnement, hein, tout en sachant qu'on a une zone bridge, hein, donc d'un côté me permettant de travailler sur 22, induction, sur 40, induction, avec une qualité derrière au niveau du générateur qui me permet d'éviter d'avoir des chocs thermiques, qui va travailler de manière linéaire, mais qui va travailler vraiment pour des gens qui sont passionnés de la cuisine. Et petit détail que j'observe, excuse-moi Joël, je vois qu'elle est également affleurante, à fleurs ou à poser. En fait, elle permet de pouvoir être positionnée, en effet, comme tu le précises très bien, Thomas, hein, dans le plan de travail, comme ceci en est présenté. Petite précision, quand vous le faites chez vous, l'affleurance se fait principalement dans de la pierre, hein, pour éviter tout souci. En effet. Là, on est dans un showroom, c'est tout à fait normal qu'on ait mis ceci. Normalement, chez vous, vous le faites dans la pierre. Eh bien, on va parler d'une vieille marque. Bien sûr. Etna. Bien sûr. Alors, allons-y, parce que vous allez reconnaître des frigos qui sont... Bon, qu'on a déjà vu quelque part, oui. Mais c'est une vieille marque en fait, oui. Qui n'a jamais disparu, qui était juste, on va dire, sortie juste de Belgique, voilà, mais qui a toujours existé. Donc, nous un peu d'histoire, oncle Joël. Etna existe depuis 1856, c'est peu dire depuis 160 ans. Etna a donné naissance à notre marque Pelgrim, dont nous avons fêté d'ailleurs l'année passée, hein, le centenaire, et dont, hein, cette année, et je reprécise, nous fêtons les 70 ans d'existence, donc de Attaque. Et donc, Etna est vraiment la plus ancienne marque en Hollande, toute marque confondue, en électroménager, encastrable et pose libre. Et si ces frigos sont familiers, parce que d'abord l'année dernière, on avait tourné donc une séquence consacrée à ces frigos, qui étaient sous la marque Gorenje, oui. Ou Gorenje, bon, c'est la même chose. Maintenant, ils sont passés sous Giron Attaque, mais c'est le même groupe. C'est juste le logo qui change. Le même groupe, Thomas. Il faut savoir que nous sommes propres fabricants avec deux usines installées donc en Slovénie. En Slovénie, tout à fait. On est encore fiers de le dire, de ne pas fabriquer évidemment outre-mer et de réimporter. Non, on a encore ce privilège chez nous. Si vous souhaitez redécouvrir des frigos de couleur, ben vous pouvez les redemander en Etna, Gorenje. Juste le nom n'est plus présent, mais c'est Etna qui reprend ça, et c'est le même représentant pour moi, c'est la même chose, donc voilà, il n'y a pas de différence. Et Etna est une marque qui se situe comment au niveau du marché, au niveau des prix? Alors, notre positionnement, hein, soyons réalistes. C'est prix sympa. Hein, c'est un prix que j'oserais dire pour des gens qui ont un plus faible budget, mais qui peuvent apporter aussi dans la cour des promoteurs. Ou des propriétaires qui souhaitent aménager des appartements. Bien sûr, locatifs ou dans cette direction, en sachant, en encastrable, déjà avec Etna, avec des prix plus qu'abordables et la qualité donc apportée, nous remettons 50 garanties pièces main-d'œuvre. Ok. C'est bien de terminer là-dessus, parce qu'au moins c'est clair au niveau du positionnement et de ce qu'on peut faire avec cette marque. Merci beaucoup Joël. Avec grand plaisir. Merci à toi. On continue le live et à très vite.